Le live a mis du temps à démarrer, ça nous a un petit peu perturbés. On était comme ça. Et ça restait sur le 1. Il y a un décompte quand on démarre un live. Du coup, bah c'est bon, hein, il a démarré. Bienvenue pour ce live du jeudi. Et je donne l'accès à mon téléphone à Dame Nuno pour qu'elle récupère les questions en direct. Hop. Bien. Ah, je vais y arriver. Je peux le faire. C'est bon. On n'avait pas eu le temps de noter toutes les questions. On vient de le faire. On n'a pas eu le temps de tout noter d'ailleurs. On a essayé de noter un maximum de questions avant de démarrer le live. Est-ce qu'on a des trucs à raconter? Moi, je suis un peu à l'ouest, je vous. C'est Nono qui va l'idée ce live, je pense. Je sais pas. Non, y en a... bah non. Non, on n'a pas. Non, il n'y a pas de nouveauté cette semaine. Alors, j'ai peut-être une idée. On pourrait s'organiser, en parler avant les lives, mais jamais on le Oui, fait du non. coup. Ah, on peut, parce que après. Oui, mais Mais. on avait parlé d'un mois. Oui. Du coup, on fait quoi? Bah, si tu veux. Est-ce que vous voulez votre indice, Moana? Vous avez le droit de dire non. Je pars du principe que vous allez dire oui. Parce que vous dites toujours oui à Grave. ça. Je lis les commentaires. On est près du téléphone, du coup, je vois les commentaires, ça me perturbe. Allez, je suis capable de passer au-dessus. Du coup, on a changé la date de sortie parce qu'on avance plutôt bien. Mais du coup, pour une fois, dans le sens qui vous va à vous. Parce qu'on avance, on pensait vraiment pas être capable de sortir le patron avant mars. Ouais, et finalement, on l'a avancé à fin février. 23, je crois. Pardon. Direct! T'as donné la Oui. date comme ça! Pardon! Fin février. Ça va trop Ça vite. va nous porter la poisse! En vrai, j'étais en train de me demander est-ce qu'on leur donne une date ou pas. Bon bah voilà, vous l'avez. Après, l'autre raison qui nous motive, c'est que vraiment, on a. En fait, c'est trop frustrant parce qu'on voit une vraie amélioration dans le quotidien de Petit Patron. À un détail près, on s'est fait assommer de dépenses imprévues sur décembre et début janvier. Mais Mais on parle de dépenses imprévues sur une totalité de 10 000 euros. Donc, autant dire que pour une structure comme la nôtre, avoir 10 000 euros en plus qui n'était pas prévu, c'est absolument abominable. Et du coup, on n'arrive pas encore à les éponger parce que pour le moment, on arrive juste à faire le chiffre qu'il faudrait faire normalement. Et donc on est, on a 10 000 euros de retard, ça commence à être une grosse galère. Et du coup, on s'est dit qu'on allait aussi essayer d'avancer à sortir de Moana finir le mois. pour essayer de finir le mois parce que c'est encore compliqué. Il faudrait qu'on joue au loto, mais bon, il faudrait être sûr de gagner. Donc, on joue pas au Oui, c'est loto, on ça. travaille, on préfère travailler. Oui. Du coup, voilà, on vous donnera pas plus d'indices aujourd'hui parce que là, on se sent un peu fébrile. Moi, je vous avoue, je suis très fatiguée, donc je pense que je suis à la frontière de la boulette. On nous demande sa sortie de quoi, donc ça sera la sortie du patron Moana. On ne vous en dit pas C'est le plus. prochain patron, c'est une Oui, nouveauté. oui, oui. Et il y a Linda qui dit à Lolo, ça va, pas trop de pression. Ça va, Lolo. Lolo? Pas trop de pression? Pour Sur Moana Moana. avancer? Ça va, elle gère. Et on nous demande du coup comment s'est passée la sortie des pochettes passepoils, la ressortie des pochettes passepoils. Eh bien, pas mal. Honnêtement, déjà, c'était une ressortie qui s'enchaînait avec Mia et c'est des patrons qui se ressemblent un petit peu en termes de difficultés, d'usage, etc. Donc, vachement moins bien que Mia, mais c'est pas vraiment une surprise pour nous. On est quand même hyper contents de ce que vous avez. Par contre, c'est vraiment le cours de couture qui a été choisi. Donc, vous êtes hyper contents a priori de la nouveauté. C'est cool parce qu'on avait vachement hésité à le faire et du coup, bah, on est contents de l'avoir fait. Donc, c'est pas mal. Après, ça n'a pas déchaîné assez les passions pour nous mettre en sécurité, mais c'est pas quelque chose qui nous surprend. Non. C'est un patron qui. Enfin, c'est un trio de patrons.
qui existent depuis très longtemps, qui sont depuis très longtemps dans les best-sellers chez Petit Patron. Hein. Ça a toujours été un patron très populaire parce que très facile pour les débutants, idéal pour faire des cadeaux. C'est assez plaisant. En plus, il y a toute la notion de l'apprentissage du passepoil qui est assez motivant parce que bah, beaucoup aiment en mettre partout. Donc, ils ont envie d'apprendre à bien le mettre pour que ce soit facile quoi qu'il arrive. Donc, on est quand même contente, mais en fait, on n'est pas du tout déçu du chiffre, mais c'est vrai que dans notre petit cœur, on aurait espéré faire le double pour se dire, ah, c'est cool, ça vaut le coup. Donc, du coup, voilà. C'est pour ça qu'on a avancé, Moana. Ouais. Concrètement. Hein. Et parce qu'on pouvait le Oui, faire. Enfin. on rentrait dans notre timing, c'était gérable. Oui. On va pas faire une nuit blanche sur nuit blanche. Non. Ah non. On serait pas capable. Non. Clairement pas. Donc toi, tu fais comment? Tu fais nuit blanche avec tes enfants? Déjà, Déjà, de base, t'as un peu sur... La double journée, là, même si celle avec les enfants est courte, elle est Elle est intense. intense. Du coup, on passe peut-être aux questions. Oui. Non, non, elle est concentrée. Oui. Du coup, allez, c'est parti. Avez-vous testé les ciseaux électriques? Non. Encore! Alors, en fait, quand on a reçu les ciseaux électriques, merci Nathalie, Ouais. vraiment un grand merci, on travaillait sur Hermione. Et Hermione a besoin de tissus très fluides. Donc, on n'a pas eu l'occasion de les tester. Et en fait, là, ça fait des mois, années, qu'on est en stade de rush. C'est-à-dire qu'on est tout le temps à la bourre, qu'on n'a jamais le temps qu'il faudrait correctement pour faire les choses. Et du coup, on ne s'aventure pas beaucoup dans des, entre guillemets, des nouveautés. Et je pense que là, les ciseaux électriques, on a envie de voir comment ça fonctionne très concrètement, Oui. quelles sont les recommandations que donnent les fabricants sur les bêtises à pas faire pour les abîmer, etc. Et ensuite, on veut vraiment les tester avant de les utiliser sur des tissus qui nous ont coûté cher. Du coup, bah, en fait, on a vachement de mal à trouver du temps. On a trop envie, on espère le faire, mais il faut qu'on arrive à sortir de cette phase de déroche qui n'arrivera pas avant mars, avril, je sais pas. Avant Bah, jamais. on... Non, si, Pardon. si, 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 Oui, on ne oui. tiendra pas. Oui. Donc, mais le pire, c'est qu'ils sont là, on les voit, et à chaque fois, on passe devant, on est là, salut, on va t'utiliser, tu sais. Du coup, pardon. J'essaye de me relire. Oui. Peut-on ajouter des boutons de type Duffelcoat sur Anselme sans modifier? Pour moi, non. Les deux polkots, c'est ceux qui ont une attache. Oui, c'est ceux qui ont deux boutons comme ça et c'est les boutons un peu allongés Ouais. avec une Donc sangle. l'attache de l'autre côté. Oui, parce que nous, notre bande au milieu, elle est au milieu, elle est centrée. Donc tes boutons, ils vont être décentrés, Oui. ça peut être assez inesthétique. Oui. En plus, ça, il se fixe comment la partie sangle? Parce que tu vas peut-être devoir les coudre avant de finir, ça peut être un peu galère de les centrer. En fait, les boutons de ce type, ça marche. Sur du caban, sur un vrai caban, non? Oui, et c'est à la fermeture vraiment au milieu. Là, on a une patte qui fait jolie et qui cache le zip. Donc, En fait, parce qu'on a une patte plus un zip, c'est pas centré de la même manière que si on oui. n'avait pas de zip. Le travail se fait pas de la même manière. Et du coup, effectivement, normalement, un caban n'a pas de zip. Et c'est pour ça qu'on a ces boutons-là qui permettent de bien fixer la fermeture. Donc, on n'est pas sûr, on a peur que ça soit un petit peu casse-pied à poser et je pense inesthétique parce que décentré. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Après, je suis une tarée de la symétrie. Vous le savez, à force. Oui. J'ai un cadre qui ne veut pas être droit chez moi. Je suis à deux doigts de l'enlever. Et en plus, devine lequel c'est? C'est Barcelone. Alors, première fois sur un t-shirt à rayures, j'ai peur des conseils. C'est pas facile. Moi, je vais pas mentir, je trouve que le raccord rayures est pas facile. Première règle, on le répétera jamais assez. Il n'y a pas de raccord entre le corps et la manche.
C'est de la grosse merde, tous les gens qui vous ont fait des tutos. Vraiment, retenez qu'une chose. On ne peut pas faire de raccord parce que ça veut dire que vous déséquilibrez votre manche et votre corps. Et donc, vous allez avoir une manche qui va vriller, qui va plisser, ça va être dégueulasse. Tout ça pour avoir juste un raccord? Non. Alors, si vous n'en avez pas dans le commerce, c'est parce que c'est pas possible. Les seuls raccords qui seraient techniquement possibles, c'est sur des manches raglantes, qui ne sont pas les mêmes manches. Vous les avez sur la robe Hermione, par exemple. Ensuite, pour les raccords de rayures, ce qu'il faut, c'est déjà un autre conseil qui est long, mais il faut le faire. Moi, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. C'est que vos patrons, vous avez toujours des demi-patrons, un demi-devant, un demi-dos. C'est pour vous faire économiser du papier quand vous l'imprimez hein, ou que vous le recopiez. C'est la seule raison. Et bien là, vous allez devoir le symétriser, c'est-à-dire que vous allez le recopier et puis reconstituer en fait une pièce entière, parce que ne travaillez jamais sur du tissu plié pour des raccords de rayures et de carreaux. C'est le premier truc où vous allez avoir un décalage. Et ensuite, il faut vous trouver une ligne. Il faut tracer une ligne qui est pile au même endroit sur chaque patron et qui est votre ligne de repère à placer sur la même rayure. Voilà. Donc ça peut être la ligne, le point d'emmanchure par exemple. Ou le bas. D'ailleurs, ça, vous avez les infos pour tous ceux qui ont le livre, Oui. La Bible de la couture pour débutants. C'est dedans. C'est dedans, on a fait une page là-dessus. Voilà. Alors, moi, j'ai une question. Comment se passe le tipi? Aller le voir, j'ai pas le temps. J'avoue, on le laisse vivre tout seul sa On vie. va le voir une fois par semaine, mais en tout cas, on avait quand on vous en a parlé, il y avait plein d'arrivées Tipeee, c'était incroyable, merci beaucoup. Et en fait, Tipeee nous fait un point qu'une fois par mois, donc c'est vrai que pour le moment, on Oui. essaie d'y aller, mais on n'a pas forcément le temps d'y aller régulièrement. Donc, moi, j'y suis pas allée depuis le live de la semaine dernière. Enfin, une Ouais, semaine. Je sais pas, pardon. À moi? ben, fais spring, 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 spring. Ouais, je suis déconcentrée par les filles derrière. Ah bah bravo de nous déconcentrer. Je vais nous montrer ce que tu fais parce que t'as le droit. Attention, vous êtes prêts. Elle va me Oui, le pour donner. une fois que tu as, enfin, qu'on peut montrer un projet en cours sans spoiler une sortie, par exemple. Bon, t'inquiète, je vais tenir comme ça. Tadam! Elle est en train de coudre une Charlotte en blouse dans un beau tissu. On le sait, il vous plaît celui-là. Et Oui. elle a fini la blouse Léontine. C'est parce qu'on voudrait faire des photos des versions blouse. 412 euros sur Waouh! Bah, merci. Merci d'être allé voir et merci pour tous ceux qui ont donné quelque chose. Ce que je trouve cool avec Tipeee, c'est que tu peux commencer à 1 euro en vrai. Oui. Et 1 euro, ça paraît rien. Et en fait, moi je dis toujours que en fait, si, c'est tout pour moi, mais si on avait 1 euro de tous les gens qui nous suivent sur notre compte Instagram, on pourrait, on sauverait complètement évidemment Petit Patron parce que il y a 92 000 personnes sur Instagram. Et en fait, ça nous permettrait d'investir là où il faut investir pour gagner en efficacité, en fait, de combler les trous. Oui. Parce qu'on a eu un prêt d'honneur à l'État qu'on doit rembourser, on a eu une dette URSSAF parce que nos anciens comptables, ils ont très mal fait leur boulot. Ils avaient oublié de déclarer presque 1 an d'URSSAF de Noémie en tant que salarié. Et du coup, on s'est pris une dette qui est monumentale. Oui. Parce que l'URSSAF nous prend des milliers d'euros tous les mois. Et du coup, en fait, ça nous permettrait tellement d'investir au bon endroit pour être vachement plus efficace. Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle un rêve. C'est comme gagner au loto. Ah, merci. Et oui, je disais que Fanny, qui fait un stage chez nous en ce moment, elle coud les versions blouses de nos robes pour qu'on puisse faire des photos et vous montrer ce que ça donne. Parce qu'en fait, on vous dit tout le temps que nos robes se transforment en blouses, mais on vous le montre pas. Non. Ce qui est un peu dommage, c'est parce que nous, on ne porte pas de blouse, donc on les a jamais cousues. Et du coup, on s'est dit que quand Vanny arrive en salle, on s'est dit, on va te Autant en donner ça comme profiter. mission. Donc là, elle a fait Léontine, et ce que je vous ai montré, c'est une Charlotte. Et Oui. après, il y aura Avril, du coup. Et Avril, c'est ce qu'on porte toutes les deux. On l'a pas fait exprès. J'avais envie de couleur aujourd'hui. Un peu de. On a besoin de couleur. Moi, c'était la seule robe qui était en bas, et comme je pouvais pas monter dans ma chambre, Voilà. j'ai pris la première, j'avoue.
On nous demande en fait c'est quoi la version blouse d'une robe. C'est juste la robe, en fait, elle est coupée plus court pour pouvoir porter avec un bas, donc un Ouais. pantalon. Nous, on conseille sur un pantalon. Ouais, un jean, c'est très joli, les blouses. Sur un bas qui est près du corps, comme les blouses, elles sont plus larges pour équilibrer la silhouette. Oui, il y a une règle de style, vous appliquez que si vous le voulez, hein, mais qui dit qu'il y a une pièce large, une pièce ajustée sur un corps. Donc avec un jean qui est plutôt pas ultra moulant forcément, mais près du corps, là on peut se permettre de mettre quelque chose qui va être blousant en haut. Donc on évite de mettre une blouse qui est assez trapèze sur une jupe trapèze ou Ouais, sur un voilà. short très large, enfin ce genre de Et choses. inversement, si vous portez un pantalon large, c'est pour ça que vous voyez plein de femmes avec des débardeurs, des choses comme ça. Parce qu'il y a cette règle de proportion qui est très connue. Encore une fois, c'est une suggestion, vous faites ce que vous voulez, évidemment. Vous habillez comme vous voulez. Oui, mais nous, en fait, on porte pas de jeans, on porte pas de pantalon. Un jour, si C'est le on truc. fait enfin celui de petit patron, mais c'est pas pour maintenant. Non, 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 non. J'ai besoin d'énormément de temps. Là, j'ai envie de dire que le 1 euro par chaque abonné Instagram, ça changerait la donne. Là, franchement, on fait ça. Tous nos abonnés Instagram viennent mettre 1 euro dans le Tipeee, c'est bon. Ok, on est d'accord, on se lance sur le patron, oui, le patron du pantalon direct. Et dans l'idée que j'ai, moi, que tu dois te souvenir. Oui, mais on est d'accord sur ça, mais ça serait merveilleux. Ça serait trop bien, franchement. Mais bon, on va se concentrer sur la réalité. Oui. Alors, où jeter nos aiguilles de machines usagées? Est-ce qu'il y a du recyclage? Ça, c'est une question qu'on nous a déjà posée il y a quelques temps quand même. Le recyclage, on l'a pas trouvé. Du coup, nous, on les jette dans la poubelle du ce qu'on appelle le tout venant. Oui. Par contre, on les plante toujours dans un morceau de tissu et on les enroule pour éviter que ça pique les personnes qui s'occupent des poubelles. Parce que des fois, suivant là où vous vivez, c'est encore avec des sacs, etc. Et on n'a pas envie qu'ils se blessent juste pour ça. Ou que l'aiguille vienne percer le sac. Oui. Et c'est vrai que nous, on n'a plus ces poubelles-là, mais on continue ce réflexe de se dire qu'on veut quand même un peu protéger. Oui, bah oui. Ou les animaux qui viennent fouiller. Enfin, Ouais, moi, bah j'ai toujours les... peur un peu de tout ça. Mmh. Nono, elle est autant enfant que On moi, nous apparemment. demande 12 pure Soren, ça match, nous on n'est pas sûr. On l'a essayé, on a trouvé que c'était pas très joli. En fait, Soren a une coupe ultra évasée, c'est un short un peu large. En fait, il est plutôt esthétique, enfin élégant, mais ça reste un short un peu inspiré des shorts de baroudeur, du coup, c'est pas terrible. Nous, typiquement, on estime que dans le dressing petit patron, on n'a pas trop d'associations à faire. Ouais. Parce qu'en plus, blouse-jupe, c'est toujours délicat. Ça fait vite l'image affreuse de la secrétaire ringarde. C'est un Oui, peu oui. l'image qu'on a, donc c'est pas toujours évident. Donc globalement, blouse et jupe, c'est pas. Faut trouver les bonnes coupes qui vont s'associer. Et voir et aussi porter ce qui vous plaît et ce qui vous vous sentez bien dedans. Oui, voilà, je parle qu'avec les règles de style et je parle pas avec les règles du cœur. Sachant que parfois elles sont pas d'accord. C'est comme Christina Cordula qui fait ses propres. On va en entendre parler avec Danse avec les stars. Pourquoi? Elle revient sur. Bah, elle danse. Oh. Du Oh, coup, mais c'est tu. bon, elle veut pas se concentrer sur sa marque de maquillage qui est horrible pour la planète et la peau, là. C'est une catastrophe, sa Ah, marque de je sais pas, maquillage. Elle peut pas je peux juste pas. aller Je faire la suis ça. pas. Mais voilà, il y a des règles qui sont J'adore. dites, mais essayez sur vous avant. Ouais. Moi, je sais qu'il y a une règle de style qui dit qu'on mélange pas les motifs. Je n'ai rien à faire. J'adore mélanger les motifs. Moi, si je peux porter. Une robe à fleurs avec des collants à carreaux et un gilet à rayures, j'adore. Et je m'en fous. Je m'en fous royalement de la vie des gens. C'est ça qu'on dit. Prenez ce que vous voulez comme info. Nono est très concentré sur ces questions. Pardon. Bah oui, mais ça parle. Hein. Bah oui, bah je vois ça. Moi, j'essaie. Tu sais, en fait, je fais un truc qui est horrible. C'est qu'évidemment, on se voit là dans le live. Et du coup, je me concentre sur ma tête pour ne pas voir en dessous les commentaires. Ah Mais oui. du coup, j'ai pas l'habitude de me regarder droit dans les yeux. Bah tu me regardes. Pardon. Pardon, excusez-moi. Alors, on nous demande, je veux rallonger Hermione en robe longue,
Donc, il y a un tuto Ouais. à la fin du livret qui vous explique comment rallonger votre robe pour faire la version fente ou juste en robe longue. Et on nous demande, est-ce que je dois la rallonger sur papier ou directement sur tissu? Sur papier? Ce qui est une bonne question. Oui, Nous, excellente question. on vous conseille de faire sur papier parce que Hermione, elle s'évase. Donc, elle devient de plus en plus large vers le bas. Et c'est beaucoup plus simple à placer sur votre tissu que de le faire directement. Sur le tissu. Alors moi j'avoue je fais directement sur le tissu mais parce que ça fait des années que je fais ça. Fallait pas que je le dise. Bah, je fais pas. Ah ouais? Ah non, c'est un truc à perdre ton droit fil. Pourquoi? Parce que tu peux vite dévier un peu. Ah mais pour Hermione tu vois t'es au pli etc. Ouais, quand t'es au pli, mais. Moi, ça me rassure d'avoir Oui, mon bah patron. oui, c'est Pour beaucoup mes plus simple. placements, pour être plus économique, Vous ça me allez rassure. perdre moins de temps à le faire en Oh papier ouais. qu'à le faire directement sur tissu, en vrai. Je le note parce que je trouve que c'est une super question pour faire un TikTok. En fait, moi j'applique toujours la règle du tout ce que je couds, je fais un patron, même genre une lingette, parce que comme ça, je sais que moi je recouds toujours tout. C'est extrêmement rare que je ne fasse pas plusieurs fois un projet parce que je trouve ça bête, cette hyper consommation. J'ai pas le temps d'imprimer ou de recopier des patrons tout le temps, des nouveaux. Et du coup, j'ai tendance à faire des patrons genre Gaston, qui se décline en short et en robe. J'ai 5 enveloppes Gaston chez moi parce qu'il y a les différentes robes, les différentes versions de t-shirt. Et comme ça, en fait, quand j'ai une soudaine envie de faire une des versions, j'ai mon patron qui est prêt. Parce que j'adore la Gaston courte, elle n'a pas la même découpe que ma Ouais. Gaston longue, je fais jamais les mêmes. Et du coup, j'ai toutes les versions comme Ouais, mais t'as ça. raison. Parce que c'est vrai que je couds facilement plusieurs fois ou pour les autres. Et du coup, moi, je suis très team papier et ça me rassure vraiment pour mon économie de tissu. Apparemment, tu m'as tué du regard. Et genre, moi, les gens, ils sont en mode, oh, le regard! J'ai l'habitude. En plus, moi, je trouvais. Là, c'était pas le regard, genre, qu'est-ce que tu fais? C'est genre, je comprends pas ce que tu dis. Genre, tu fais partie de cette team-là? Après, je tiens à répéter, je suis vraiment fatiguée là, donc peut-être que je suis plus. Moi, je pensais que j'étais un peu de tense. Je suis mi de tense, mi bise. Après, je suis sous traitement, hein. Je suis pas dans mon état normal, c'est pour ça. Hein, que je suis. Mais normalement, c'est Nona qui fait les regards où t'as envie de t'enterrer, évidemment, parce que tu ne fais. Apparemment. Lolo! Ah oui, Nono, elle est forte pour faire les regards qui tuent. Elle a dit, ah oui. Mais moi, je ne sais Et, qui pas. c'est qui fait les pires regards entre moi et Noémie? Noémie. C'est pour ça que j'ai été surprise. Pardon. Désolée, quoi. Surtout qu'en ce moment, je suis pas gentille avec elle. Je dis tout le temps, ah, Laurie, c'est ma préférée. Laurie, c'est la meilleure. Alors que. Avec le sapin. Mais on a toujours notre petit sapin là où on peut enregistrer des messages. Oui, je vais le ramener. Il y en a qui sont pas beaux, qui sont. Ah, vous êtes pas gentils. Enfin, ils disent oh, Margot est fatiguée, croisons les doigts, peut-être une boulette sur Moana. C'est moche. Je vais rester avec mon sapin. Je l'ai dit dès le début hein, que. C'est pour ça que je veux pas qu'on en parle. Je suis trop dangereuse. Moyenne, ça c'est notre sapin annuel. Pour ceux qui n'ont pas entendu, parce que bon, peut-être vous entendez avec le téléphone, j'ai dit Lolo est ma préférée pour toute la vie et. Noémie est jalouse et je m'en fiche. Voilà. Je me suis adorable avec Noémie. Ok, bah j'y vais. Pour faire la. Je vais chercher un outil, pardon. Je vais chercher un outil. Une boîte utile. Je sais pas ce qu'elle va chercher. Ah. Il commence à avoir des questions sur le livre qui me chafouinent les questions parce qu'il y a des gens qui comprennent pas toutes les infos sur les pas à pas. Après, moi je vais vous le dire hyper franchement, la qualité des patrons dans le livre, c'est clairement pas petit patron parce qu'on n'avait pas la place de vous mettre Non. toutes les explications qu'on met nous au quotidien. Et du coup, bon là c'est pas ça, mais j'avais une question hier soir, je crois,
Et en fait, elle dit, je suis hyper déçue, la dame, elle dit, je suis déçue parce que c'est pas clair. Et j'étais là, ça me saoule parce que moi, je voulais pas que ça soit comme ça, mais j'ai pas eu le choix. Oui, c'est vrai que tu t'es battue, hein. Je me suis battue à la base, je ne voulais pas de patron dedans pour deux raisons. Un non-sens sur le prix, parce qu'on a bradé notre travail là-dessus. Et parce que je savais que j'avais pas l'espace prévu pour que ça soit super. Donc là, la question, c'est pour faire la chemise du livre, c'est pour ça que je l'ai ramenée. On vous présente, elle s'appelle Roxane, pardon, j'ai aucune mémoire des noms. Doit-on mettre du thermocollant sur les deux pièces ou sur une? Par exemple, sur le col. Ah. Alors, en fait, il y a le schéma Oui, là, mais ça, tu il n'y l'as a en deux qu'une. fois. Oui, mais justement, là, fait exprès de mettre qu'un. Ah, ok. En fait, ouais, mais je comprends la question. Donc, c'est que sur un seul, de toute façon, la règle, c'est qu'on Ouais. thermocolle toujours quand il y a deux pièces qui sont identiques, qui vont se coller, genre les ceintures, les cols, il n'y en a qu'une thermocollée ou il n'y en a qu'une droit filée. Oui. Jamais les deux. On n'a jamais deux droits fils Ça va qui se se cousent battre. ensemble parce que ça fait des épaisseurs, ça sert à rien, c'est pas compatible. Donc vraiment, si vous posez la question, c'est que quand c'est cousu ensemble, il n'y a que une pièce qui est droit filé, enfin avec le droit fil thermo. Ouais. Et retenez juste les deux ensemble, plus, enfin, 1 plus 1 égale galère. Moins. Moi. Non, j'ai pas trop d'images plus parlantes. Et du coup, on nous demande, c'est quoi la différence entre le droit fil thermocollant et le stabilimanche? Le Stabilimanche, en fait, c'est déjà c'est la marque déposée de Viseline. D'accord. Il est en anti-cé, donc il va vous cartonner, ça va être horrible, vous allez avoir des coutures toutes raides. Et à l'intérieur, ils ont mis une petite ficelle. D'accord. Mais alors, normalement, le Stabilimanche ne s'utilise que sur de la veste tailleur homme-femme, enfin de la veste tailleur et du Oui. costume. C'est pour les grosses pièces qui ont besoin d'une grosse structure, enfin d'une tenue. Et donc, normalement, on ne fout pas de Stabilimanche Des sur des vêtements comme une vêtements. robe ou... Mais Viseline, en fait, a une force de frappe assez flippante parce qu'ils arrivent à être partout avec un produit qui n'est pas adapté. Et ça nous tue. La Parce que. force des commerciaux. Ouais. Ils ont réussi à installer une marque qui devrait pas être là. Et c'est un peu décourageant des fois parce qu'on sent que y a d'autres marques qui essaient, qui ont un meilleur produit, mais qui n'ont pas le budget pour aller faire la com. Et du coup. Moi, j'ai fait une sale tête quand t'as dit un tissé, je crois que j'ai fait Non, mais chut. l'intitulé, oublié. Enfin, Ouais. vraiment, Une grosse galère. c'est pas genre, on fait pas la guerre à une marque, on fait la Oui. guerre à ce produit qui devrait pas être là. Parce qu'en fait, les thermocollants à tisser sont donc non tissés, c'est en fait des fibres, de la microfibre Contrecoller. en contrecollé. Et en fait, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'épaisseur, le grammage, le machin que vous prenez, il va donner un effet carton à votre tissu. Et en plus, ça se décolle en trois lavages. Ça m'énerve. Ça Ça bouloche. bouloche. C'est pas là qu'on doit dire chips normalement. Si. Et laissez-moi apprendre ce concept du chips. Mais je suis toujours pas. Moi j'ai une question, elle est hyper complexe. Maille jacquard avec 5% d'élastane pour un Isidore. Maille jacquard 5% d'élastane. Est-ce que c'est une vraie maille? Est-ce que si c'est de la vraie maille, c'est ok. Le 5% d'élastane, c'est un peu la base d'élastane qu'on va retrouver dans la plupart des mailles. Mais je sais qu'il y a des jacquards, ils nous disent que c'est de la maille parce qu'ils ont de l'élastane. Oh non. Et c'est ça qui m'inquiète. Donc, si vraiment c'est de la maille, tu dois pouvoir faire ce que je fais là. C'est tricoté. C'est tricoté, c'est vraiment extensible, quoi. C'est pas légèrement extensible. Après, un jacquard qui n'est pas un vrai jacquard. En fait, le jacquard, c'est une forme de tissage. Donc, ce n'est pas possible d'avoir de la maille jacquard. Mais on appelle souvent, les vendeurs appellent souvent la maille jacquard celle qui a dans son tricot un motif typique du motif dit jacquard. Oui. Or, le jacquard, c'est une forme de tissage avec plusieurs fils où vous avez un motif qui est tissé, qui est fabriqué grâce à l'assemblage des fils et qui a une double lecture. C'est-à-dire que sur l'endroit et sur l'envers, les couleurs ne se placent pas de la même manière. Le motif n'est pas totalement identique. C'est ça qui fait que c'est du jacquard. C'est une invention française. Nous sommes très fiers de ça. Et donc, ça ne peut pas être de la maille puisque la maille est tricotée et je vous ai dit que le jacquard c'est une forme de tissage. Tissage et tricot, c'est deux choses totalement différentes. Je suis super chiante avec vous là-dessus, je suis désolée. J'ai l'espoir qu'un En jour, fait, c'est parce qu' ce soit clair. ils ont inventé un motif jacquard Oui, dans ils le ont repris tricot. l'esprit
de la manière dont on crée Mais le c'est trop chiant jacquard. parce que tout se mélange du coup et c'est Oui. difficile pour nous comme pour vous. En fait, c'est difficile parce que les gens qui vous vendent le tissu sont jamais formés. Et donc, le fabricant, il est très au clair. Moi, j'adore quand les rares fois on a l'occasion de parler avec des fabricants, on apprend plein de choses parce qu'ils connaissent leur métier. Et en fait, c'est, y a une perdition d'informations au moment des revendeurs. Et du coup, bah, c'est eux qui sont en première ligne. Parce que la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, mon vendeur m'a suggéré un truc. Je sais plus ce que c'était, ça va me revenir. Et c'était horrible comme conseil. Et cette personne a eu le réflexe de dire, j'ai trouvé ça louche. Très louche. Du coup, elle est venue demander, elle a eu raison. Est-ce que il y a les pochettes à passepoil existent-elles sans e-book? Non, l'e-book sans papier, putain, je sais plus lire. Ouais, est-ce que les Non. e-books, les e-books est disponible sans patron? Oui, c'est ça. Mmh, les e-books sont pas disponibles sans patron parce que les e-books sont sur mesure pour chaque patron. Je sais pas si un jour on va faire le méga e-book parce qu'on se dit que en fait on va juste répéter ce qu'il y a dans tous les patrons et on est nul avec nos stylos, hein. Il a disparu. Ah. C'est pas comme si elle en avait un autre avec des paillettes. Mais sinon, il va rester par terre, tellement elle va le manger, et puis. T'accuses mon bébé Non, chat. c'est pour pas qu'elle se blesse. T'imagines, c'est du plastique dur qui se transporte, qui se met au fond de sa gorge et 50 000 euros de veto. Voilà. Je pense à ton porte-monnaie et à la santé de tété. Mais maintenant, je pense qu'elle va pas survivre avec Oui, ton pardon. histoire. T'es en Excusez-moi. train de. Il souhaite pas Mais la mort justement, des animaux, je ok? l'ai pas souhaité. Alors Thelma vous passe pas le bonjour et elle a pris un jour de congé. Enfin, c'est son deuxième jour. Madame. Je prends des vacances, pépouze, tranquille. Ouais, elle va toucher toutes ses nounous préférées, elle préfère à nous. Puis quand je lui demande si je lui manque, apparemment non. Ça, c'est un manque de tact. Semblant, mais non. Non, non. Alors, Croire, elle est heureuse. quelle est la différence entre stretch, élastane et l'élasticité? Vous avez C'est la 4 même heures. chose. Non. Non, mais c'est un peu le même principe. Oui. Attends, si on commence à rentrer là-dedans, on n'est pas fini. Bah, élasticité, c'est vraiment la notion d'avoir quelque chose qui peut se détendre et revenir en place. Oui. Je pense que c'est à peu près la définition d'élasticité. Donc l'élasticité, elle peut être apportée par principalement une fibre élastique qu'on appelle l'élastane. Oui. Il y a le polyamide qui a cette capacité, mais qui est vachement moins puissante. C'est la plupart du temps de l'élastane qui vient apporter de l'élasticité à la fibre. La fibre, quand elle est tissée, si en fait, on ne peut pas faire un tissu d'élastane, mais on peut ajouter de l'élastane dans la fibre principale. Et donc quand on va tisser, le fait qu'il y ait cette fibre élastique va permettre au tissu d'être un peu plus stretch ou et c'était quoi ton premier mot? Stretch, élasticité, élastane. Ok, voilà. Donc ça permet d'avoir un tissu qui normalement n'est pas censé être élastique parce qu'il est tissé. Le fait de lui avoir mis, d'avoir glissé de l'élastane autour des fibres de coton, par exemple, ça va le rendre un peu plus élastique. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est le terme stretch pour un tissu. Et élastique et l'élastane, c'est la fibre qui permet. C'est la composition en fait. Il nous faut de l'élastane, la matière d'élastane, pour créer une fibre qui va être élastique et qui va rendre le tissu stretch. On posait pas 10 des questions comme ça. Je vais boire un coup, c'est de l'eau. Et qu'est-ce qu'on recommande comme pression métal? Je peux le dire. Le truc qu'on n'ose pas toujours dire parce que. Enfin, c'est pas qu'on n'ose pas dire, on n'a jamais eu l'occasion de le dire. Ouais. Pas la marque Prime. En métal? Ah non, ouais, en métal, si. En métal, en plastique. En plastique, on est en train de se De s'arracher les cheveux. déchanter? Ouais, autant Prime est une marque d'une super qualité sur plein de trucs, mais les pressions plastiques, elles nous rendent chèvres parce que plein de gens ont remarqué aussi, hein, elles sont impossibles à dépressionner et du coup, elles craquent les tissus. Mais non, mais les métals, elles fonctionnent très bien, t'as Oui, raison. je pense. Bah, les métals, bah, il y en a. Enfin. Moi, il n'y a pas de marque où j'ai été déçue. Ouais, pareil. En fait, le secret de la pression, c'est la manière dont vous le posez. Et c'est triste à dire, mais quand vous les posez avec le truc de base et le marteau et le petit kit qui est vendu avec, c'est foireux.
elles ont tendance à tourner, elles sont moins Bah, c'est bien. parce que tu dois toujours être très régulière. Enfin. Faut pas taper trop fort pour pas les abîmer, mais faut pas taper pas assez fort sinon tu l'enclenches mal. Et du coup, on trouve qu'il faut vraiment la pince, ça change la vie. Et je dois tourner la vidéo, mais manque de temps. Mais bonne surprise sur la pince pression à métal de Lidl. La Vario Creative Tool, elle est très bien, mais elle est très chère, donc il faut que vous en ayez vraiment l'usage pour l'utiliser. Et après, Prime et d'autres marques ont la pince classique. Ouais. Le seul truc, c'est que souvent, les pressions, elles aiment bien avoir les embouts de leur marque. Oui, ça par contre, oui. Si vous utilisez des pressions d'une marque, essayez d'avoir la pince de cette marque pour le métal. Autant les pressions plastiques, non. Sont totalement universelles. Autant les pressions métal, elles sont un peu plus capricieuses. Elles Et aiment puis il y a bien plein de être... tailles en métal, Ouais. beaucoup plus qu'en plastique, je trouve. Elles sont plus confort et plus mieux, même si ça se dit pas. Et on nous demande si le métal sur tous les tissus. Non. Non. Alors déjà, si vous voulez poser des pressions sur du jersey, c'est des pressions spéciales jersey qui ont des griffes, etc. Si vous posez des pressions classiques sur un jersey, c'est mort. J'ai mimé la pression qui part. Qui part et que un trou qui va devenir comme ça. Donc vraiment, déjà, il faut faire ça très attention. Et nous, on déconseille les pressions plastiques sur les tissus très fins. Oui. Et les Les métals. métals sur des tissus très fins, enfin, Bah, en pardon. fait, on déconseille les pressions sur des tissus très fins. Oui, tout simplement. On va faire encore plus Ou simple. à coudre. Ils sont Ouais. plus solides les pressions à coudre sur les tissus fins que des Ouais. pressions à poser. Mais du coup, les pressions métal, elles s'utilisent plutôt sur des matières épaisses et des tissus denses. Donc, ça va être dans l'univers de la jeannerie, sur les pantalons, les salopettes, sur les manteaux, les vestes. Mais c'est vrai qu'on les voit un peu moins sur les autres choses. Les accessoires, exception, parce que vous pouvez vraiment adapter votre tissu, parce que les accessoires vous laissent souvent plus de liberté. Mais retenez juste que les pressions n'aiment pas les tissus fins. Mais à la fois, les pressions plastiques n'aiment pas les tissus épais. Alors, les pressions plastiques, il faut remettre l'église au centre du village. Elles ont été faites pour vous satisfaire et elles n'ont aucune utilité réelle. C'est-à-dire qu'en fait, elles ne sont pas utilisées réellement dans l'industrie du textile, de l'accessoire, etc. Elles ont été créées pour les passionnés de couture qui voulaient de la couleur. Et donc, ce qui est important dans cette explication, c'est de se dire que ce n'est pas un produit de qualité, c'est un produit qui se vend. C'est un peu la définition des pressions plastiques. Et donc, en fait, le problème, c'est que sur tout ce qui va être pour bébé, attention, elles se décrochent vite. Parce que le fait qu'elles soient en plastique, la manière dont elles se posent, elles ont une accroche qui est assez limitée, comme disait Noémie. Dans l'industrie, on utilise des pressions à griffes. Et ce n'est pas le cas dans nos pressions du commerce enfin, mercerie. Et donc, les pressions plastiques, elles sont très fragiles. Les pressions métal sont plus solides parce qu'elles ont une meilleure accroche, mais elles peuvent vite déchirer les tissus, donc pas de tissu fin. Et du coup, on nous demande quoi utiliser pour les tissus fins. Bah, Des boutons. des boutons, des agrafes, C'est agréable. ce qu'il faut coudre et pas poser avec une machine. Ce que votre patron vous recommande. Typiquement, si on ne vous met pas une proposition de pression dans un patron, c'est pas qu'on n'y a pas pensé. Croyez-nous, on fait vraiment une grosse analyse. C'est que on sait, on a testé, c'est pas une bonne idée. Et on va retenir tous ensemble une règle, on ne met pas de pression sur une ceinture parce que ça va s'ouvrir. Ah oui, toi tu l'as fait Oui, sur un c'est short. horrible. Dès que je m'assois, ça s'ouvre. Non, non, La non. pression ne peut pas supporter d'être sur un endroit charnière de votre corps. Oui, donc sur les rotules, après on met pas trop de pression sur les genoux par exemple, mais aussi sur les ceintures parce qu'en fait quand vous asseyez, votre taille va soudainement légèrement s'épaissir puisque votre corps se tasse un peu et donc la pression elle fait. Oui, non. Et je l'ai fait sur une salopette. J'ai trois pressions de chaque côté qui pètent dès que je me penche en avant ou je m'assois. C'est horrible. Les boutons. Et les boutons, arrêtons une bonne fois pour toutes. La peur de la boutonnière. Ouais. Non, on arrête. Il faut y aller. Lancez-vous. Je sais pas Faites si. des essais, entraînez-vous, mais vraiment. Tout le monde a peur de passer son permis. Une fois qu'il a, il se dit, en fait, c'était faisable. Mais Bah, c'est la pareil. boutonnière, c'est pareil. C'est une bonne image. Oui. Tout le monde a peur de se lancer sur l'autoroute la première fois. Et puis après, il kiffe parce qu'il peut accélérer. Jusqu'à 130, évidemment.
Si ta voiture permet, parce que nous, c'est pas le cas. Non, quand je roule à 100, je peux pas rouler à 130 avec ma voiture. Moi, quand je suis à 110, je suis oh là là, je m'emballe, je m'emballe. Recentrons-nous, recentrons-nous. Une table des matières pour chaque e-book, c'est bloquant à l'achat. Je sais, j'essaie d'améliorer. On est en train de travailler avec Lemon sur nos fiches produits, justement pour les améliorer, que vous ayez plus d'infos, mais que les infos soient facilement trouvables, etc. Du coup, si tu regardes sur l'e-book Passepoil, tu as normalement la liste. C'est pas encore une table des matières, mais on est très très proche de ça. Oui, ça avait changé. Ouais, pour vous permettre d'accéder. Ensuite, du coup, pour le moment, c'est sur les réseaux sociaux qu'on vous partage beaucoup d'images ou d'informations là-dessus. Mais on sait qu'on doit s'améliorer là-dessus. On est en train de... Vraiment, en fait, notre objectif, c'est juste de vous faire un truc là, parce qu'on pourrait vous faire des fiches comme ça. Mais on sait que vous n'allez pas nous lire. Et nous, après, quand vous ne nous lisez pas, vous arrivez par mail. Et nous, on est là, la réponse est dans l'affiche. La réponse est dans l'affiche. Et c'est pareil pour les posts Insta. Hein. Ah oui, lisez les posts Insta avant de commenter. Parce qu'une fois sur, allez, une fois sur quatre, ma réponse, c'est écrit dans le post. En plus, je m'efforce vraiment de vous faire des posts courts avec une seule information. Toujours. Presque. Presque toujours. Et du coup, je suis un petit peu... En mode, j'ai passé... Tendue. Autant de temps, enfin, tu passes autant de temps à écrire des posts. Ça me prend des heures tous les jours. Et pour se rendre compte que les gens ne les lisent pas, c'est un peu dur, comprenez. Pensez à Margot qui tape avec son casque et de la musique classique et qui tape pendant des heures tous ses posts et ses articles de blog, etc. Vous n'imaginez même pas combien de temps elle Comme passe. Comme je connais par cœur toutes les compos de Beethoven, Vivaldi. Parce que cette histoire est vraie. Tu adores hein, quand je mets ma musique classique fort. Non, franchement, ça va. Mais moi, j'aime bien. C'est juste que quand je suis malade, après le repas, la musique classique a tendance à m'endormir. Oui, il y a différents styles. Oui. Et il est possible qu'à un moment, j'étais dans une phase très calme, qui endormait Nono. Mais en ce moment, je suis très les quatre saisons de Vivaldi. Et je peux te dire que ça pêche, quoi. Mais le printemps, tu vas voir, hein. T'as les pioupiou qui se réveillent, c'est... Oui, non, mais... Fais-moi confiance. Allez. Ah, t'as plus de questions? Non. Ah, bon, vous avez pas de questions? Bah non. Après, pour une fois, on aura peut-être fini toutes les questions. Oui, non, mais Moustique, elle est pas... Il y en a qui tentent, hein. Il y en a qui tentent. Pardon. Il y en a qui tentent d'avoir des indices. Si, les gens ne voient pas les commentaires ah oui. Sur le replay, faut pas oublier. Oui, c'est vrai. Alors, eh ben, écoutez, ce que je vous propose, comme vous n'écrivez plus de questions, Noémie va se relire. Je mets trop de temps à la relire. Super débutante, j'ai cousu Mia et les griffes accrochent mon tissu de la machine à coudre. Explication numéro 1, je dirais que le tissu est probablement trop fin pour ta machine. Ah, peut-être. L'une des premières raisons des griffes qui accrochent en général, c'est que la machine n'est pas faite pour l'épaisseur ou la non-épaisseur du tissu. Après, je ne sais pas si ta machine, tu l'as déjà beaucoup utilisée ou pas, parce que tu pourrais peut-être l'avoir déréglée et dans ce cas-là, l'envoyer en révision peut être une bonne chose. Après, si ça fait que deux fois que tu utilises... Non. Ça peut être un défaut de fabrication. Il y a quelqu'un qui m'en a parlé il n'y a pas longtemps, puis c'était ça, un problème avec ses griffes. Ouais, parce que normalement, les griffes sont censées accompagner votre tissu et pas le restreindre. Non, ouais, c'est très rare hein, que ce soit les griffes qui... J'ai que ça comme idée. Elle est partie sur les caisses. Pardon. Alors, pas de réponse à mon mail, adresse et coucou. Ah, je sais, on en a... Ah oui, en plus, pardon, mais pour Marie, en fait, la question, c'était pas... Enfin, ah. C'était ça, mais en fait, je... Oui, elle a condensé parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Oui, non, c'est juste... oui, justement, elle a envoyé un mail à Ecoucou, elle n'a pas eu de réponse la semaine dernière, elle se demande si elle marche toujours. C'est une bonne question. Alors, on va vous dire la vérité de la vraie vérité. On dit toujours la vérité. On va repartir un an et demi en arrière. Nous avions notre ancien site Petit Patron, qui était sur PrestaShop. Et à cette époque-là, on avait une personne qui s'occupait de notre site et avec qui on arrêtait parce que le contrat s'arrêtait. Mais pas de mauvais termes, hein, juste le contrat s'arrêtait. Il passait à autre chose dans sa vie, donc on a eu cette petite phase
où on a mis du temps à trouver une nouvelle équipe ou personne pour s'occuper de notre site. Et on n'est pas tombé sur quelqu'un de bien qui a fait de la merde en fait sur le site. Et du coup, on s'est rendu compte très longtemps après que notre outil, enfin l'endroit où vous pouvez mettre votre mail pour s'inscrire à un newsletter, n'était pas protégé des spams. Et en fait, on a enregistré la blinde d'adresses spam. Les robots mettaient leur truc. Alors moi, je comprends toujours pas tout. Et du coup, l'adresse mail a été considérée par Google comme malsaine parce que on avait trop d'adresses dans notre fichier qui n'étaient pas sains. Mais en fait, nous, on a mis beaucoup de temps à s'en rendre compte parce qu'à cette époque-là, on était mal accompagnés. Du coup, on a été blacklistés avec cette adresse mail. Donc, on a changé. Sauf que nous, on n'a pas les capacités. La personne qui nous accompagnait était à chier, j'ai pas d'autre mot. Et du coup, on a tout recommencé avec une nouvelle adresse mail, mais avec la même liste. Parce qu'au début, on n'avait pas compris que c'était la liste le problème. Et du coup, on a re-blacklisté. Et en fait, on a fait ça pendant longtemps jusqu'à ce qu'on tombe sur la bonne agence web, qui est Lemon Interactive, qui nous accompagne depuis un peu moins d'un an, mais bientôt un an quand même. Oui. Et donc, on en est à notre quatrième tentative de changement de mail. On a dû changer d'outil newsletter. Enfin, on a vraiment eu que des problèmes. Et là, Malvina, cette semaine, elle a fait tous les changements. Et en fait, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir supprimer toutes ces adresses mail que vous connaissez chez Couture Débutante parce qu'elles sont blacklistées par Google. Alors que l'usage que nous on en fait est tout à fait légal, mais il y a eu à l'époque ces adresses qui se sont mises dans nos fichiers, qu'on avait virées, mais en fait ça n'a pas suffi. Donc on est reparti de zéro et on a des nouvelles adresses mail. Et donc elle vient normalement, elle vient d'arriver, oui. Donc je peux la donner maintenant. L'adresse mail, c'est question@petitpatron.com et il n'y a que celle-là qui va fonctionner. Les autres, on sait qu'il y a des problèmes. Et on est désolé. On se serait bien passé de ça parce que du coup, en fait, Malvina, pour vous donner une ordre d'idée, à peu près 50% de son temps de travail avec nous, donc elle est freelance, hein, mais elle travaille à peu près un peu moins d'un mi-temps. Et 50% de son temps est occupé à juste gérer des trucs qu'on ne devrait pas gérer liés à ses problèmes de mail. Explication. On gaspille littéralement son temps et notre argent pour ça. Et ça nous rend folle. On espère vraiment qu'on est sur la fin de cette histoire-là. Oui, et c'est question au singulier. Oui. Une question par mail. Oui, tout le monde s'est posé. Ouais, on va faire comme les médecins. Une question par mail. Un sujet de consulte par consultant. Sinon, c'est plusieurs chèques. Sinon, c'est long parce qu'on voit le mail, on voit les 250 questions et on est là genre, oh. Et on le passe plus en priorité parce qu'on n'a pas le temps. Alors, il n'y a pas de majuscule dans les adresses mail. Oui, c'est parce que c'est le téléphone qui met la Oui. majuscule, mais j'écris avec un téléphone à moitié. Du coup, des fois. Bah, vous voyez, par exemple, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'il n'y ait plus de problème de mail. Comme ça, les sous qu'on met dans Malvina, bon, elle, on la fera bosser sur d'autres choses, hein, mais. On pourra peut-être aller faire réparer ce téléphone. Comme l'appareil photo qui est mort. Comme mon ordi. Ça fait un an, ça y est, qu'il a abandonné dans un coin. Et que on se dit, ah, bah là, les photos, elles sont que là-bas. Génial. Donc, faire réparer, s'acheter une poubelle. Oui. Pardon. Angèle, elle pense qu'on utilise la poubelle du voisin, du coup. Non! Non. On a eu une poubelle en prêt. Non, il faut juste qu'un jour, j'aille dire Porter à la plainte. mairie. Mais je sais pas comment faire, je me sens con. Bonjour, je voudrais déclarer un vol de poubelle qui a eu lieu il y a à peu près un an. C'est abusé. Et à la fois, Oui. est-ce que je suis capable de dire je me suis fait voler ma poubelle ce week-end? Je vais mentir. On sait pas mentir. C'est pour ça qu'on vous dit toujours la vérité. J'avais une question très intéressante. Pourquoi ma machine tape avec des épaisseurs, mais pas quand c'est un tissu fin? Parce que ta machine n'est pas faite pour les épaisseurs. C'est une Browser SF 10S. SF 10S. Bon, j'avoue, je la connais pas. Mais une machine qui fait trop de bruit quand elle est sur des épaisseurs, c'est une machine qui n'est pas du tout faite à la base pour cette épaisseur et qui, en fait, concrètement est en train de souffrir. C'est sa manière de crier j'ai mal! Je suis pas censée passer autant d'épaisseur. Je te préviens, ça va détendre mes muscles et après je les remettrai pas en place. En gros, c'est un peu ça qu'elle te dit. Et c'est pour ça qu'il y a différentes gammes de machines à coudre. Et c'est pour les oui, c'est un sacré coup hein, d'avoir une machine haut de gamme, mais quand vous cousez des J'ai beaucoup pas. d'épaisseur, j'ai mis 3 ans à économiser. et ben ça tape moins, ça tape pas.
Ça fera un poil plus de bruit quand même, hein. Mais ouais, c'est le premier indice, c'est ça. Je sais que c'est un peu frustrant, mais en gros, ça passe. Mais je le dis tout le temps, hein, mais à l'intérieur de votre machine, il se passe plein de choses. Et en gros, quand vous passez des épaisseurs et qu'elles ne devraient pas, le bruit que vous entendez, c'est tout simplement les pièces qui se claquent plus entre elles et qui du coup vont se déplacer un petit peu. À un moment, elles vont tomber, enfin, vous ne le voyez pas. Et d'un coup, la machine est cassée et vous allez chez le réparateur qui vous annonce une facture exorbitante parce qu'il y a des pièces qui se sont brisées. Et là, vous allez dire, ah, c'est de l'arnaque, vous rendez compte, j'ai payé 200 euros ma machine, il me demande 400 euros de réparation. Et en fait, vous êtes réellement les seuls fautifs. Vous le saviez peut-être pas, mais vous êtes vraiment responsable de ce frais de réparation. Mais c'est frustrant, hein. Oui. Des fois, on a envie de tout coudre avec sa machine à Bah, des coudre. fois, on aimerait bien que les entrées de gamme n'existent pas pour éviter de donner des fausses indications aux gens. Oui, de penser D'un à... côté, c'est trop bien parce qu'au moins, vous pouvez commencer avec une machine à 200 euros, ça vous évite d'investir dans une très grosse machine. Mais de l'autre, c'est vous mentir parce que ces machines, en fait, normalement, sont faites pour coudre 4 épaisseurs de popeline de coton. C'est rien, c'est que dalle. Donc, on fait tous plus avec, mais on les abîme très vite. Et du coup, nous, on conseille vraiment en haut de gamme. Enfin, la mienne, c'est une haut de gamme. Ouais, mais déjà une moyenne gamme, tu fais beaucoup de choses. Les machines à partir de 500 euros, tu commences déjà à Oui. bien, à faire, à respecter ta machine et te respecter avec plein de projets cool. Oui. Mais je sais, c'est plus de 500 euros, je comprends que ça Ouais. soit un budget, vraiment, je le comprends, mais c'est ça. On prend toujours l'exemple des voitures. Vous irez pas faire une course de Formule 1 avec votre Twingo, bah, c'est pareil en couture. Bah, c'est nous qui n'arrivons pas à conduire à 130 sur l'autoroute parce que nos voitures Sont vieilles. sont des entrées de gamme. Moi, j'ai clairement une low cost. Moi non, mais elle est vieille. C'est exactement la même chose. Alors que si j'avais une Tesla, bien sûr que les 130, je les fais comme ça. Bah ouais. Mais après, est-ce qu'on a envie pour polluer la planète? Non, mais ça, c'est une autre question. Rouler à 110, c'est bien. La planète nous remerciera. J'avais vu deux questions qui se... Parce qu'en fait, on est à la bourge, je parie qu'il est Et tard. 55. Ok, j'ai une question que je vais doubler. C'est pas la même. D'un côté, est-ce qu'on peut utiliser de la laminette blanche à la place de la transparente quand on n'en trouve pas? Et de l'autre, j'avais quelqu'un qui dit, est-ce que la laminette est vraiment indispensable pour le slip Paolo parce que je n'en trouve pas? Alors, je vais réunir les deux questions parce que Noémie est concentrée. Elle n'a même pas remarqué. Si, mais j'ai pas écouté par contre. Voilà. La laminette blanche et la laminette transparente, si elles existent, elles sont pas interchangeables. Vraiment, on vous le déconseille. On a fait les essais, parce que nous aussi on s'est posé la question dans notre tendre jeunesse. Et non, la laminette transparente, elle est vraiment faite pour le vêtement. Elle vient tout simplement renforcer le tissu sans l'épaissir, sans le transformer. La laminette blanche, elle a un pouvoir beaucoup plus ferme, et Oui. donc elle vient vraiment renforcer le tissu. Donc en fait, on ne peut pas les inverser, tout simplement. Si vous mettez de la blanche sur votre petite épaule de t-shirt, elle va faire un volume énorme, ça va être disgracieux. À l'inverse, si vous utilisez de la laminette transparente pour faire votre slip ou votre maillot de bain, en fait, il n'y aura aucun pouvoir élastane, ça va être affreux. Donc, non, on ne peut pas les changer et non, on ne peut pas faire de slip Paolo sans laminette parce que du coup, s'il n'y a plus d'élastique, enfin, c'est pas vraiment un élastique, mais c'est à peu près le rôle que la laminette occupe sur le slip. Bah le slip va bailler et va laisser sortir ce qui ne devrait peut-être pas sortir normalement. Donc, ce n'est pas changeable. Et du coup, je rebondis sur la fin de la question. Comme là, quelqu'un ne la trouve pas en magasin, je sais, c'est très dur à trouver. Ça me rend chèvre, mais on revient sur le débat qu'on a eu au début du live, où il y a un manque de professionnalisme dans les merceries. Et donc, les outils sont pas toujours bien choisis. Mais la laminette, vous allez en trouver chez notre partenaire Du Temps et du Fil, qui a une boutique sur Etsy. Et en fait, quand nous, on a arrêté produits physiques, on avait dit, s'il y a des merceries qui veulent proposer ces produits-là, on vous donne les références de ce fournisseur. Et elle a rentré tous nos thermos et la laminette, les deux laminettes. Elle pratique les mêmes prix. Donc, vraiment, on vous recommande. On a mis des liens en story à l'une et on le remettra en story juste après. Mais elle a les laminettes et ça vaut rien du tout. Donc, sans passer, c'est vraiment dommage. Je pensais que tu avais fait tes questions. Non, non. C'est la suite de quand on notait. Ouais, mais je pensais que tu avais Non. déjà tout répondu à ça. Eh non! Il reste 3 minutes. Ok, allez. Et là, Panique. chaos de Margot. Je vous ai dit, je suis fatiguée.
J'ai mal partout dans mon corps, c'est horrible. Je souffre du cerveau. Est-ce que la pochette Elena, qui a un patron de couture qui est très très vieux, qui date du jour de la sortie de, enfin du lancement de Petit Patron, va aussi avoir droit à sa mise à jour? Oui, je ne sais pas quand. Grosse mise à jour parce que Noémie, en fait, elle a préparé le travail. On doit finir ce travail-là. La méthode de couture a complètement évolué, elle s'est vachement améliorée. Oui, Donc c'est j'ai eu une des énorme. sueurs froides en faisant la première version. Mais du coup, grosse mise à jour qui arrive, mais j'ai pas de date. Peut-être en mars, je sais pas. Je j'ose pas me projeter. Parce que vous nous aviez demandé des doudous avant. Donc il y aura un doudou avant. Faudra qu'on. La semaine prochaine, ce serait bien qu'on vote sur quel doudou. Oui. Si on oublie, vous nous faites penser. Là, il faut répondre à cette question-là parce que la pauvre, ça fait 2 semaines qu'elle attend. Oui, trois. 3 semaines. Pardon. On a vu ta question. Tu fais bien de la remettre toutes les semaines. Du coup, Alors, là, on la priorise. c'est quelqu'un qui a eu un tissu dans une énorme box de My Little Coupon, où c'est, je crois, une box surprise, donc elle savait pas ce qu'elle aurait. Et elle a de la double gaze blanche, et elle se demande quel patron elle peut faire avec, parce que Elle est bah, c'est blanche. transparent. La double gaze est plutôt transparente naturellement, encore plus quand c'est blanc. C'est un tissu qui est fait de coton, mais qui est très très mou. Ça se détend vite. C'est une matière qu'on n'aime pas, on va vous le dire. Ah, C'est j'adore. un enfer à coudre, parce que c'est capricieux, c'est difficile à coudre. En fait, ça n'a pas de tenue, donc ça nous fait. C'est un peu fourbe comme tissu. Après, esthétiquement, c'est joli, hein. On est d'accord avec vous. Mais du coup, les patrons qu'on peut coudre avec la double gaze, déjà, Avril, si tu veux voir ce que ça rendra, Noémie, elle porte une blouse Avril sur les photos, En double gaz. en double gaze. Bon, elle est orange à paillettes, Et mais. Laurie aussi, non, c'était Manon. Oui, La robe à la brune trois aussi. étages à brille et c'est une Tango. double Gaz de gaz coton. brodée. Et faut juste retenir que la double gaze va toujours donner un effet oversize à tout ce que vous allez coudre avec. Retenez cette info, elle est hyper importante. Si vous vouliez un truc hyper ajusté, je vois les petites horloges. J'ai plus la question. En double gaze, elle va pouvoir faire Axel, la chemise qui est Oui. derrière, pas de problème. Pas Léontine. Léontine a besoin de Et structure. Pas Hermione. non, et les jupes Kate ou Chelsea, j'aime pas. Non, non. Je sais que quelqu'un l'a fait, mais attention. Ça peut vite dégueuler sur les côtés. De l'accessoire, c'est du thermocol. Oui. D'ailleurs, enfin, bon, faut avoir un bébé, mais le bavoir bilé, moi, je l'ai fait souvent en gaz parce que ça a un côté un peu absorbant. Ça, et puis tout le monde adore mettre de la gaze aux enfants. Alors, en vêtements, moi, j'irai pas. Bah, il va le tuer en deux. Ouais, il va le déchirer et le salir en 3 secondes. Ouais, surtout du blanc. Mais nous, Moi, on j'adore. n'aime pas la double gaze et du coup, en fait, on trouve ça pas trop d'intérêt en termes de vêtements. En fait, ça a un rapport galère à coudre, à entretenir, VS, beauté, qui est pas assez bon. En fait, je trouve que le tissu est trop contraignant à manipuler pour le coudre, pour le préparer, pour choisir le bon patron. Il est casse-pied et nous, on essaie de vous faciliter la couture et ce tissu ne nous facilite pas la tâche. Non. Du coup, c'est vrai que nous, on n'est pas Friande. friand, ouais. De gaz. Alors qu'il y a des belles Ah gammes de oui, on couleurs, trouve ça beau, hein. etc. On trouve ça canon. Oui. Mais galère. Voilà. Voilà. Je vais répondre vite fait à une question. Est-ce qu'on compte hacker le patron Swan avec un col montant? Non, parce qu'il te faut une encolure totalement différente. Oui. L'encolure est inadaptée. Ouais. Une encolure montante est structurellement différente d'une encolure dite ouverte. Donc bah là, c'est un nouveau patron. Ouais. Ça n'a rien à voir. Peut-on faire Charlotte en longueur sous genou? En fait, j'y vais parce qu'elles sont faciles à répondre. Ouais. Oui, tu peux. Tu as un tuto qui t'explique comment allonger. Donc après, tu as juste à choisir ta Ta longueur. longueur, ouais. Au lieu de faire en longueur longue, ben tu Tu fais un peu. enlèves un peu plus courte, Tu mais c'est vas exactement la même enlever chose. 15-20 cm par rapport à du long. Et par contre, le tuto, il fait partie du patron. Il est en Il est à la annexe. fin. Il est À la même fin. pas après, en annexe, il est à la fin de votre livret d'instructions. Je crois qu'on va devoir s'arrêter là parce que Oui. ce qui en reste. Hein. Oui. C'est pas Pardon. grave, on revient la semaine prochaine. Ouais, ça y est, c'est officiel. Je pense que ça fait un mois qu'on n'arrive pas à aller au bout des questions. Après, là, on s'est vachement mieux amélioré.
Ouais, bah ça dépend, il y a des questions qui ont besoin de réponses longues et des questions qui ont des réponses courtes. Hein. Oui. Bon, bah on vous dit à la semaine prochaine. Tiens, je vais vous redonner une info pour ceux qui sont nouveaux. Vous avez 10% sur votre première commande avec le code bienvenue sur Petit Patron. Oui. Voilà. Et Profitez-en pour en faire plaisir. si vous connaissez des gens qui sont clients chez Petit Patron, vous pouvez leur demander de vous parrainer aussi. Comme ça, vous serez gagnant-gagnant. Vous aurez 5%. Alors, le c'est pas 5 cumulable à euros. 5 euros. C'est pas cumulable avec les 10%, mais vous pouvez choisir suivant la quantité de Oui. patron que vous voulez acheter, ce qui est le plus intéressant. Voilà. C'est la petite info de fin. Oui. À la semaine prochaine!